Electronic Arts, Football Club 24, FIFA 24 n'existera jamais. C'est dorénavant EA FC 24. Et sur toutes les années précédentes, FIFA était de l'arnaque sur Nintendo Switch. Parce que vous comprenez, il n'y avait pas les mêmes modes, il n'y avait pas les mêmes graphismes, il n'y avait pas les mêmes moteurs, il n'y avait pas le même contenu que les autres versions. Et bien cette année, Electronic Arts nous fait le plaisir d'avoir la même version que sur les PlayStation et sur Xbox, cependant qu'évidemment il y aura peut-être des petites atténuations graphiques. Évidemment, on en a parlé dans les news cette semaine également, le jeu est cadencé à 30 FPS maximum, ça c'est la première chose à savoir. Et je vous propose dans un premier temps de partir sur un petit coup d'envoi, histoire de tester la version Nintendo Switch, hein, puisque je rappelle que bien sûr, on est sur Nintendo Switch pour EA Sport FC 24, je l'ai acheté à la Fnac, il m'a d'ailleurs été livré avec le guide, voilà pour info. Mais en tout cas, le fait de retrouver déjà dans le menu d'accueil tous les mods qu'il y avait aussi sur les autres, ça c'est cool. Allez, ça c'est bon pour moi. Et on y va. Match classique, oui, ça me va très bien. Le Bordeaux contre Guingamp, c'est très bien aussi. Allez, c'est parti. Alors évidemment, graphiquement, les joueurs sont un peu moins jolis que sur l'autre version. Hein. Il a fallu aller diminuer ce qu'il fallait diminuer. Maintenant, que les joueurs soient un peu moins jolis sur Switch, bon, c'est pas grave. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si le jeu tourne bien, puisque maintenant on a tous les modes. Donc déjà, c'est chouette de se dire que c'est plus une version essentielle. Parce que je vous rappelle que les précédents jeux FIFA, les précédentes années, c'était version essentielle. En mode, c'était essentiellement de la merde, c'est-à-dire qu'on n'avait rien des FIFA qu'on avait. Par contre, ce qu'il faut noter quand même, c'est que c'était drôle, parce que depuis FIFA 19 sur Switch, on avait la même chose. Alors évidemment, bon, bah graphiquement, c'est censé être le nouveau moteur qui est utilisé sur Switch, Frostbite. Bon, tu vois clairement que graphiquement, c'est pas la même chose. Hein, voilà. Après, il faut aussi se dire que c'est une version Switch. C'est une version Switch qui a été développée en même temps que les autres. Ça a l'air de bien tourner. Alors évidemment, graphiquement, le stade, c'est pas aussi joli. Le public n'est pas aussi joli. Les joueurs sont pas aussi jolis. Maintenant, c'est une version mobile. Enfin, une version nomade. Et honnêtement, allez, hors jeu. Non, honnêtement, c'est mieux que les versions précédentes, hein, déjà. Tu vois. Oui, c'était intéressant, mais le ballon est arrivé un peu trop tard. Évidemment, avec Omar Dafanska aux commentaires aussi, ça fait plaisir. Qui est déjà là l'année dernière, d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Allez, hop. C'est un ballon perdu. Allez, on va essayer de... Je sais même pas en quelle difficulté il m'a mis... Reisbeck. Aucune idée. Oh bon, bah quand même. Alors il y a faute. Ouais, bon, ça va. Fait signe de continuer, laisse l'avantage. Ça va. Je me concentre là peut-être. Ah bah je l'ai raté, dommage. Ouais, en fait c'est sûr que visuellement tu le sens sur les textures du terrain, etc. Bon, après voilà, tu te dis, voilà, tu peux l'emmener partout. Non, franchement, je suis content que cette année, alors certes, c'est pas aussi beau que les autres versions, mais un, t'as tous les mêmes modes. Et puis surtout, tu peux y jouer en nomade, ouais, clairement. Et ça, c'est cool. Après, voilà, je pense qu'il faut faire des concessions pour la version Switch, tu vois. Donc bon. Et déjà un premier carton jaune reçu dès les premières. Mais ça tourne bien, les 30 FPS, tu les sens pas tant que ça. Après, moi, ce que je disais, sur un jeu de foot, bon, 30-60 FPS, je le sens pas nécessairement. Moi, c'est plutôt sur un FPS que je vais sentir, tu vois. Elle fera peut-être pour prendre les devants. C'est plutôt... Oh bah d'accord, super. Ouh, il a failli remarquer. C'est plutôt sur un FPS que je le sens, le coup des 30 FPS. Là, honnêtement... Et pourtant, je vous ai testé la version PS5 sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Donc, je suis assez content de la version Switch. Même si, bah évidemment, il y a des... C'est pas la même chose, quoi. Attention, la frappe. La frappe a beau être relativement proche du but. Faudrait que je laisse un ralenti pour voir. Quand tu auras le but, je laisserai le ralenti pour voir un peu... En très bonne position. Par contre, l'IA, faudra que je vois, elle doit être en semi-pro ou je sais pas quoi là, elle est pas ouf. C'est vraiment pas ouf, l'IA. Faudra que je la change. Je suis même pas sûr qu'on fasse le match en intégralité, juste histoire de voir l'animation des buts, quand même. Il frappe. Si je pouvais la cadrer, ce serait encore mieux. Le tir était pas si loin, mais il a très bien lu la première. Ouais, je pense que c'est en amateur ou en semi-pro là, parce que vu comment la défense, c'est un... Merci de nous rapporter tout incident à caractère insultant. Ouais, non, ce ballon est perdu. J'aime bien les commentaires.
Eh oui, la bonne passe en profondeur. On est bon. Voilà, allez hop, ça s'est fait. Le premier but du match. La domination récompensée. Voilà le premier but mérité. Merci Aïfou pour ton sabbat. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Yes, il n'y a pas les mêmes animations, j'ai l'impression, pour les buts quand même. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie. Donc... Voilà, c'est bon. À chaque fois qu'on marque un but, le niveau de difficulté augmente. Là, on est passé en semi-pro, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une adaptation au fur et à mesure du jeu qui fait que ça va nous augmenter notre niveau, c'est vrai. Ouais, je vois pas l'hypermotion. C'est ce que je disais, il n'y a pas les mêmes animations. Et je sais pas si. Attends, je regarderai derrière la boîte à la mi-temps pour voir si effectivement ou pas on a l'hypermotion sur Switch ou pas. Je suis pas sûr. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Oui, non, c'est la porte de quoi. Oh, l'égalisation peut-être. Quel arrêt splendide. Énorme réflexe. Il n'est pas marqué sur la boîte, en tout plus, cas. À cette distance, alors, par contre, grandiose. Petite information. Même si vous l'achetez en version boîte, c'est important à noter, vous aurez des données à télécharger supplémentaires. Vous avez un petit sticker qui est juste là, marqué téléchargement internet supplémentaire nécessaire. Ça correspond à 20 gigas. Pour précision, c'est 19 gigas exactement, et c'est apparemment le mode Ultimate Team qui n'est pas sur la cartouche. Voilà, donc même si vous l'achetez en cartouche, vous aurez des données à télécharger, et on testera évidemment le mode Ultimate Team dans cette vidéo. Ah, et l'équipe peut jouer le contre, évidemment. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus, et c'est pas fini. Hop là, oh bah sérieux, et le ballon renvoyé par le gardien, attention. Ah, je pensais le. Ouais, très bien défendu. Non, franchement, c'est propre. Hein. C'est pas, enfin, c'est propre. C'est, disons que c'est. Ah, il est passé sur ce bon geste. Ouais, c'est un peu fort. Face à face, remporté. Disons et que c'est stable. Largement loin du cadre. Est-ce qu'il y a un mot vraiment pour décrire ça? Oui, c'est un désastre. Donc, franchement, honnêtement, quand on regarde les ouais, c'est cool. On voit énorme très honnêtement. D'occasion, il y a un gros manque d'efficacité. L'approche offensive est intéressante, mais il faut améliorer la finition pour alourdir un peu plus cette avance. Ah, je l'aurais pas. Alors attends. Hop. Merguem. Ah parfait, c'est bon. Hop bien là. Anticipé. Le ballon est intercepté. Il l'a eu ? Il l'a eu. Hop là. L'offensive se poursuit sur le côté. Par contre, il n'y a personne. Attention. Voilà. Hop là. Fonctionne toujours. Il est important ce but. Il leur permet de faire le break. Ouais, non, il n'y a pas d'hypermotion. C'est la seule chose qui apparemment n'est pas dans la version Switch. 19 000 athlètes, 700 clubs, 30 championnats. Très intéressant. Playstyle, évidemment. Regardez, on fixe et après, quand tu le gères bien. Le gardien, il ne peut pas faire grand chose à part rester. Bon, je mettrai des timers dans la description pour permettre aux gens d'aller voir directement les modes qui les intéressent. Je vais pas faire 3 vidéos sur le mode sur la Switch. Je vais faire une grosse vidéo avec tous les modes. Parfait, ça, sans faute. Aïe. Oui, alors. Ouais. Wizer. Merci. Oh, il a bonne prise de balle. Allez hop. Bon, ils vont passer en mode supérieur ou pas? C'est le coup des plus pairs. Tu crois que ça va passer tranquille? Il était à la limite du hors-jeu quand même. Hein. Là où la force passe, rien ne dépasse. Et du coup, il me monte le niveau ou pas? Non, il le laisse comme ça. Ah si, ça y est, passe, la difficulté est passée en champion. Voilà. Là, ça va être intéressant. Là, ça va être intéressant en champion. Allez hop. Bien parti dans le dos. Oh, il n'en passe pas. Qui a tourné à son avantage. Qu'est-ce que c'est bien négocié. Tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué. On va le mettre comme ça, ici. Vas-y. Le corner. Ouais, bien c'est joué. Un corner facilement maîtrisé par la défense. Hop. Ouais. Ballon dégagé sur ce centre. C'est dommage qu'il tourne en 30 FPS.
Non, ça n'a rien de choquant, soyons francs. Non, ça n'a absolument rien de choquant. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu. Non, vraiment. Non, là, je pense que ça va vraiment être dans la tête parce que ça n'a vraiment rien de choquant. Quelqu'un qui dit ça c'est embêtant qu'il tourne en 30 fps. Non. Non, vraiment. Ouais, je suis un peu short sur celui-ci. Et le panneau indique que nous aurons 2 minutes de temps additionnel. Alors là, par contre, ils sont un peu en surnombre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la difficulté champion, ça? Est-ce que ça va partir en contre, là? Oh, punaise. Je pensais à la... Ouais, mais avantage. Et c'est le moment de déclencher. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, là, le gardien. La mi-temps, okay. Donc, sifflé par l'arbitre. Tout le monde rentre au vestiaire. Et c'est compliqué pour l'équipe qui joue devant son public parce qu'elle se retrouve... Ah, tu le sens sur le public. Tu le sens sur pas mal de petites choses que t'es là sur la version Switch. Mais je suis assez content. Je suis assez content parce que, honnêtement... On aurait pu penser que ça allait être dégueu. C'est pas le cas. Enfin, après voilà, évidemment, comme je le disais, il faut aussi prendre en considération que c'est la Switch. Mais quand tu compares avec les arnaques qu'ils nous ont fait ces dernières années où t'avais pas les mêmes modes et tout, eh ben je suis plutôt content, tu vois. Alors encore une fois, oui, c'est la Switch. Donc oui, il y aura pas la même chose que sur les autres supports. Oui, on est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Et oui, ok, pour certains, le 60 fps aurait été mieux. Oui, au niveau des textures, c'est moins propre, etc. Oui, ok, ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça tourne bien, on a tout le contenu à part l'hypermotion. Et voilà. Tu vois ? Allez, Guingamp. Alors à 3-0, Guingamp, je suis pas sûr qu'ils aillent bien loin là. Désolé, hein. Ouais, dans la profondeur. Ballon reçu dans l'espace. Oui, bien fait de la part du gardien. Allez, sorti. Merci Bibi pour ton receveur. Allez. On va la mettre là. Ah, c'est un peu loin, non? Ah, peut-être pas. Il est bien frappé, ce corner. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber, mon intervention gars. Intervention et donc danger écarté. Ok. Ouf. Ouais. L'action se construit dans le camp adverse. Aïe. Une intervention pour stopper l'attaque. Et peut-être une option pour une contre-attaque. C'est bon. C'était un contre bien tenté, mais ça a manqué. Hop. Ouais, c'est de ma faute. Ouais, c'est qu'ils sont un peu en surnombre là. Hop là, merci. Eh ben, l'ont récupéré sur cette bonne intervention. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Hop là. Bon, il faut absolument que j'arrive à transformer mes trucs. Pour créer un décalage sur l'aile. Ah! Oh, c'est lui qui la sort. On est d'accord, quand même. En avant Guingamp, mais oui. Voilà, changement donc. Alors ça va être compliqué. Hein. Ouais, évidemment. Évidemment, c'est un poil compliqué. Non, en vrai, j'ai rien à dire sur la version. C'est cool. Puis en plus, on peut y jouer en multijoueur. Je rappelle que sur votre Switch, avec un Joy-Con chacun, vous pouvez jouer. Donc c'est une version nomade qui est cool. Il y a du soutien en attaque. Un peu trop de soutien même. Déjà batterie faible, wesh. Hey, duel remporté en défense. Ah bah c'est mieux que les autres années, oui. C'est peu de le dire. Ah, balles sont trop de difficultés sur le centre. Louisère. Du coup, vu que c'est plus FIFA, il n'y a plus les vrais noms des clubs et des joueurs. Bien sûr que si. Pourquoi il n'y aurait plus le vrai nom des joueurs et des compétitions aussi? C'est juste qu'il n'y a plus les compétitions de la FIFA, c'est tout. Genre pourquoi la Coupe du Monde, par exemple. Voilà, le gardien s'impose facilement. Bien sûr que si. Ah si, vous avez 17 000 athlètes. Attends. Vous avez 19 000 athlètes, 700 clubs. Voilà, c'est tout. Non. Non, il y a tous les joueurs. Hein. Et vous retrouverez tous les noms des joueurs. Hein. Vous retrouverez Mbappé, tout le monde. Ah, le ballon est perdu. Ah, y a pas de souci là-dessus. Ah, il peut conclure. Voilà, merci. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart.
Ah, tu retrouves les... Alors par contre, si, petite chose qu'il n'y a pas sur cette version, qu'il y avait du coup sur la version PS5, c'est la dégradation du stade. Dans la version PS5, on a vu que il y avait des traces sur le terrain qui étaient au fur et à mesure du jeu, quand vous faites des tacles, des machins, des trucs. Il n'y a pas ça. Bon, bah, de toute façon, j'ai l'impression que le terrain n'est pas trop pris en compte là, soyons francs. Mais c'est aussi quelque chose qu'il n'y a pas. Guillaume. Alors par contre, merci. Alors oui, c'est une très bonne idée, ça, bien sûr. Le pressing est payant. Ouais. Intervention du gardien. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Allez. Bah disons que c'est très lisse, quoi, ouais. Un corner qui est bien ajusté. Hop, 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 hop. Allez, on y va. Ah, punaise, bien joué. Endur. Écoute, en difficulté champion, on s'en sort pas mal, là, je trouve. L'ouverture. Ouais, joli, 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 joli. La bonne transmission dans l'espace. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision. Oh, sérieusement ? Sur la puissance. Ouais, c'est un pressing efficace. Ah, il est signalé en position illicite. Ouais. Jeu. Position illicite. J'aime bien le illicite. Weisbeck. Hop là. Ça, c'est fait. Allez, par contre, faut courir maintenant. Pas une occasion à venir là. Alioubadji. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Elle a tombé. Boum. Raté. Dommage. Dommage parce qu'elle était bien partie. Dommage. C'est bientôt la fin du match de toute façon. Manso. Bah le must ça aurait été qu'il n'en marque pas un quoi. De la balle. Mergem. Pour Sagna. Il va le passer devant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est chaud. Il faut tenter le coup, pourquoi pas? Non! Non! Ah, là-dessus peut-être. Bien joué le goal! C'est sauvé par le gardien! Quelle parade! Allez! Une bonne contre-attaque peut-être. Hop là! Oh, il passe, il passe, il passe! Oh oui, non! Si! Non! Boum! Pourquoi y'a personne de l'autre côté? Pourquoi y'a personne de l'autre côté? Qu'est-ce que tu fais? Punaise. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Oui, bon, 4-0 à bout de 2 minutes, ouais. Guillaume. Non, mais on pouvait rester à 4-0, c'est bien. Ah, c'était vraiment Elias. Un truc de boucher, là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc là, il nous fait... Interception réussie en pleine surface. Punaise. Je fais n'importe quoi, là. Voilà, merci. Ouais, punaise. Non. Quel arrêt splendide, énorme réflexe. Eh oui, en plus à cette distance, c'est grandiose. Alors attends. Elle a bien tiré dans la surface. Voilà, merci. Allez, vas-y. La fin du match ici. Ah, c'est fini. Terminé avec cette grosse désillusion. Parce bon, que joli match. Joue à domicile. En plus, on était en mode champion, donc ça cool. Quand l'équipe avec la... Donc. Allez, ça c'est fait. Voilà, 4-0 pour nous, ça c'est fait, voilà, on est très bien. Contenu de vos performances, vous recommandez une difficulté champion. Eh bien parfait, on s'est amélioré au jeu, absolument. Donc ça c'est bon, parfait, plutôt content d'ailleurs. On va tester à ce moment-là le mode Ultimate Team. Oui, je suis bordelais, absolument. Donc le mode Ultimate Team. Ok, pour être une mise à jour d'équipe est nécessaire. Ok, allons-y. Vous aurez tous les timers dans la barre de défilement sur YouTube pour pouvoir accéder directement à la partie qui vous intéresse le plus, évidemment. Voilà, vous y êtes. Alors, attends. Vous allez constituer votre... Non, je voulais pas faire l'Angleterre. Bon bah, on a pris l'Angleterre alors. Tant pis.
J'ai peut-être appuyé un peu trop vite sur le bouton. Pas revenir en arrière. Non. Ok. Je voulais prendre mes notes par rapport au moment où on en était. Vers 20 bon, minutes sur pour le papier, Ultimate Team. L'équipe présente quelques lacunes, mais il y a de la qualité. Bon bah Angleterre. Plus grand bien à ce club. Parfait. Prenez le temps de passer en revue votre effectif. Quand ce sera fait, appuyez sur continuer. Eh bah écoute, de toute façon je peux changer après. Non, bah je laisse comme ça et on reste comme ça pour l'instant. Voilà. Évidemment, donc on a les hommes et les femmes, ça c'est cool dans l'équipe. Et on va continuer. Votre première mission consiste à recruter un élément en prêt pour améliorer un poste. Sélectionnez l'élément que votre recrue prêtée va remplacer. On va laisser la madame. Alors, ok. Allez, vas-y. Alors, qui on recrute à la place ? Eh bien, très bien, regarde, prends-lui. Voilà, ça c'est fait. Bien, voilà un renfort de choix. Un élément. Avant d'aller sur le terrain, il vous faut un maillot. Choisissez le vôtre. Vous pourrez améliorer votre look en trouvant d'autres maillots au fil du jeu. Ok, nickel. Les supporters sont prêts à vous encourager, surtout s'ils peuvent... Allez. Voilà, c'était pas compliqué. Bon. À vous de jouer maintenant. Si c'est bon pour vous, direction le premier match. Allez, coup d'envoi. On va voir pour notre premier match. Construire, jouer, gagner des étoiles, le mode Ultimate Team assez classique de toute manière. Hein. Du coup, palier, fondation, jouer. Oui, jouer ici. Salon coop. Attends, c'est pas ça que je voulais faire. Moment, clash d'équipe, rivals, champions, match amicaux, disputer des matchs amicaux. Oui. Voilà. Très bien. Jeu en local, jeu en ligne. Oui. On va faire un petit jeu en ligne. On va avec l'équipe qu'on a. C'est pas fifou, mais ce sera très bien. Ma liste de jeux. Ajouter des règles spéciales à votre liste de jeux. Attends, comment ça se passe du coup? Écoutez, on va faire le mode rival, ça sera plus simple. Comme ça, moi, je m'embête pas. On va jouer contre quelqu'un d'autre qui aura très certainement une meilleure équipe que nous, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Allez, rivals. Paf, comme ça, on trouve quelqu'un très vite. Oui. Allez, hop là. On va trouver tout de suite quelqu'un. Même s'il est sûr qu'on va se faire poutrer la tronche parce qu'on n'a pas ouvert de pack et qu'on a des joueurs de base. On va voir ce que ça donne. Votre équipe peut jouer normalement. Oui, donc c'est bon. Continuez. Alors évidemment, on va se retrouver contre des joueurs qui ont toutes les cartes en doré, comme d'hab. Alors. Et donc du coup, téléchargement nécessaire Ultimate Team. Alors, dans les 19 gigas, il y a le mode Ultimate Team, le mode carrière, le mode Volta, mode club, compétition, saison locale, en ligne et équipe de compétition sous licence. Du coup, on peut encore se demander ce qu'il y a dans la cartouche. Hein, parce que c'est la grosse question, c'est vrai que ces dernières années, on dit oui, moi je préfère le jeu en boîte plutôt que le jeu digital, enfin le jeu numérique. Mais quand tu vois qu'en fait, dans le téléchargement des 19 gigas, il y a ça, en fait la cartouche elle sert à rien. Je suis en train de me dire que la cartouche elle sert vraiment à rien. Évidemment, il y a Omar Da Fonseca à mes côtés. La cartouche ne sert vraiment à rien. C'est parti pour le premier match de la saison en mode Division Rivals. Depuis le stade, on sent une grande ambiance. C'est l'ambiance des grands rendez-vous. Oui, il faut frapper maintenant. Ah bah il a failli mettre pour moi. La question c'est qu'est-ce qui reste dans la cartouche. Moi je pose la question parce qu'en vrai, je sais pas du tout. C'est indémodable dans le football. Je sais pas ce qui reste dans la cartouche. Eh oui, le bon réflexe. Je sais pas. Ballon pour retrouver la possession. Ah, il élimine son adversaire. Le tir. Ouais, trop fort. Ah, la puissance était là, mais c'est tout. Hein. Il n'y a pas du tout la précision. Ça partait comme Cristiano, mais ça finit comme Papadopoulos. Qu'est-ce qui s'est bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. Dele Alli. Hop là, merci. Oh non, mais il la laisse pas sortir. En profondeur. Ah, punaise. Eh oui, hors-jeu, il y a hors-jeu sur ce ballon, c'était logique. Pourtant bien vu. L'appel aussi était impeccable, mais la... Par contre, j'ai pas vu les cartes qu'il avait de joueur. C'est un ballon intercepté. Des solutions en attaque, là. Aïe. Ah, il y avait de quoi faire. Il s'est jeté sur moi.
Ah non, il y a une position de hors-jeu signalée. Quand même. Qu'est-ce que c'est que ce match de merde? C'est vraiment un match de merde, hein. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer, avantage. Bah, quand même. L'arbitre a fini par siffler. Bah oui. Quand même. Merci Pix pour ton resub. Ah, mais c'est ton sub-anniversaire en plus. Joyeux sub-anniversaire. Merci beaucoup. Merci énormément. Ouais, c'est bien fait, la bonne progression. Allez, hop. Ça rentre. Voilà le premier but. Très rapidement, ce match est lancé. Et voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Je sais pas du tout si on peut affronter les joueurs d'autres consoles sur Switch. Je sais pas du tout s'il y a du crossplay. Attention, voilà un bon duel. Paf. Quelle domination, quelle facilité. Oh là là, la rencontre bascule nettement en leur faveur avec ce nouveau but. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Ou dans le dos de la défense, là. Bah, il le marque quand même. Bah, quand même, oui, oui, quand même. Voilà, c'est quand même. Fond, voilà, là, honnêtement, s'il le marquait pas, c'est qu'il y avait un souci. Et pour vivre là, honnêtement, voilà. Match. Là, honnêtement, ça aurait été bizarre quand même. Ah, j'aurais bien aimé voir le ralenti. Et avec ce but, le score j'aurais bien aimé. De 2-1. Hop là. Patrick. Merci, Patrick. L'action se poursuit. Ah, pas plus loin. Il est tombé. Ce ballon est perdu. Oh, bien joué la lecture. Merci. Interception et récupération du ballon. Hop là. Merci Xinef aussi et pour ton resub. Reste bien, ça peut être dangereux. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Oh là là, le gardien. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup Xinef encore. Qui cette fois-ci s'impose. La souplesse. C'est dommage de pas laisser les de pas laisser les ralentis, j'aurais bien aimé. L'arbitre revient à la faute et donne le carton jaune. Oh là, c'est un bordel dans la zone de défense. Sans l'arbitre déconner. L'arbitre laisse l'avantage. Mais l'avantage ne profite pas, ouais. Elle revient à la faute. Ouais, c'était le bordel aussi. Hop là. Oh, le ballon intéressant. Ouais, ballon donné en retrait. Paf. Ouais, avec de la réussite. Alors, excuse-moi. Excuse-moi, mais bon, faut peut-être pas déconner. Comment ça, il n'y a plus de goal? On va mettre un défenseur dedans. Voilà. Non, ça ne marche pas, désolé, mais non. Un défenseur ne peut pas remplacer un goal, surtout quand il est dans les filets. Ok? Voilà. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Oh bah alors, pff, c'est bien parti. Ma défense n'a rien fait. Et oui, oui. But. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mon Dieu. Mon Dieu, mon ah, Dieu, le score mon est Dieu. Maintenant de 3 buts à 2. Gnabry. Mon Dieu. Et c'est pour Serge Gnabry. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Mon Dieu. Dele Alli. Ah, dommage. Oui, c'est une bonne défense. Je pensais avoir tiré un peu plus fort, ça aurait été bien. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Je vais me faire avoir. Hein. Ah, bonne progression, balle au pied. Oui, la position était intéressante, mais le ballon lui a échappé. Il est un peu trop couru, le petit lapin. Allez. Hop là. Allez, mon lapinou. Hop là. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Tammy Abraham, attention. Hop là. Oh, incroyable. Le scénario parfait pour ses débuts. Premier match et premier but. Ah, beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Bah sinon au niveau du pressing les gars, vous faites quoi? Merci, quand même. Ah, c'est bien défendu, sans faute. Et le oui. Face à face à venir. Oh, le oui, goal, c'est une passoire. Voilà, c'est infernal. Je te jure. Pour la confiance. Rien le goal, il est en plein milieu, il bouge c'est pas. Peut-être pas fini. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut vraiment jouer avec ses défenseurs, hein, parce que le goal, c'est pas la peine. Bah, c'est pour Abraham. Mon Dieu.
Ouais, c'est une bonne progression, ça. Ah ouais, non, mais je te jure. Hop là, merci. Ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. Olé, belle technique là. Oh là là, et oh. Peut-être pas déconner. Oui, c'est de ma faute. Je voulais faire une passe et j'appuie sur la mauvaise touche. Ma faute. C'est de ma faute. Voilà, merci. Ouais, bien joué. Le duel est remporté. Hop là. Joli tacle. La tête, là, peut-être un centre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Ben pourquoi l'envoyer par là? C'est bizarre. Tentative lointaine, mais c'est capté sans problème. C'est très bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Il va le récupérer très haut sur le terrain. Mais qu'est-ce que tu fais? Attention pour égaliser. Quelle intervention, elle est hyper importante. Ah vache. Ah, il perd ce ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Ballon pour Ward-Prowse. Joli ça, joli passe. Joli passe, joli passe. Ouais, dommage. Et non, le geste est raté, le ballon passe assez largement au-delà du poteau. Geste pas maîtrisé, ça sort largement. Pause demandée. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est à mi-temps, c'est à mi-temps de ce match. Ok. Et ben bah, reprendre le match, on va terminer ça. Écoute, ça se passe pas mal pour l'instant. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Oui, bien fait ça. Oh là là! Bah oui, quand même. La faute signalée par l'arbitre et attention parce que ça peut valoir un carton. Oui, monsieur. Allez. Ouais, dans les bras. Sur ce coup franc. Dans les bras, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait? Terrifiant. Pourquoi mon joueur il court pas aussi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est passé sur ce bon geste. En bonne position pour égaliser. Mais on est sûr que c'est le même mec qui joue à chaque fois parce qu'il y a des actions. Il y a un moment tu te dis c'est pas lui, à un moment c'est lui. Ils sont deux à se passer la manette en fait, en face. Que ça me paraît quand même étrange. Mais sur l'aile là, Gnabry, il peut avancer. Tammy Abraham avec le ballon. Merde. Ah, ça ne donnera rien du tout parce que c'est récupéré par la défense. Il y a des fois tu te dis c'est bizarre. Et le contre est possible maintenant. Ah non, il est perdu ce ballon. Il y a des fois j'arrive pas à reconnaître la façon de jouer du gars. Il faut lui porter la poisse évidemment. Pour l'instant il faut le souligner. Sa prestation elle est enthousiasmante. Quand on parle de prestations inspirantes, quand on parle de performances offensives, c'est ça qu'on veut voir. Dele Alli. Bah, c'est pour Abraham. Oh vache. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Allez, ça l'a tombé, mais le danger n'est pas totalement écarté. Corner et pourquoi pas une bonne tête afin de prendre le large. Oh, le ballon reste dangereux là, attention à la relance. Perte de balle très dangereuse, attention. Oh le ralentissement. Alors par contre là il y a eu un ralentissement. On l'a vu. On a vu le ralentissement. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Le ballon sort. Tout le monde l'a vu. Voilà, changement donc. Ward-Prowse.
C'est pas possible, dans son jeu de passe, dans son jeu de passe, ils sont deux à tenir la manette, c'est pas possible. Je te jure. C'est pas possible que le gars arrive à rater des trucs et de l'autre côté après à faire ça. Bon, je m'en fous, je gagne, hein, mais je suis sûr qu'il joue pas tout seul à la manette de l'autre côté. Hein. Il y a des mouvements qui sont pas. C'est joué par Ward-Prowse. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz, mais tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont deux à jouer dans la manière de je sais pas. Ça peut être une situation intéressante là. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Mais pourquoi tu cours pas aussi? Ah oui, excellent ballon. Vache. Bon là, normalement, il y va. Allons. Le gardien qui s'interpose, quel réflexe! Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Oui. Attention, encore une faute. Et là, bah oui. Sort le deuxième jaune, c'est terminé. Et le changement va donc avoir lieu. Le centre vers la surface. Ouais, raté. Allez, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Et une occasion de contre à négocier. Le ballon qui est récupéré. Tout le monde repart à l'attaque. Côté tribune, le public se levait d'un coup. Un but suffirait. Un face à face à négocier. Pas de but. Oh, j'ai cru qu'il y allait. Mais non! Mais non! Il va falloir foncer à se mettre rapidement à la fin. Mais sérieux? Un peu de coaching avec ce. Oh, il était tout doux en plus. Oh, c'était d'une douceur. Oh, ouais, mais mes joueurs, ils tombent. Ouais. Bon, là, normalement, il est censé. Il y va, normalement. Ah, là, t'as heureusement que je joue pas contre un joueur de ouf en face, hein, parce que là, parce que je fais n'importe quoi. Ah ouais, non, mais je fais n'importe quoi, c'est de ma faute. Hein. Genre vraiment terrifiant. Terrifiant. Eh oui, le ballon dans leurs pieds. Ah! C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire quelque chose, les gars. Dabry. Ah! Et bien sûr, la faute. Attention, parce qu'il y a déjà eu un avertissement. C'est encore lui! Encore lui! Infernal! Oh, vas-y, je suis sûr que. Je suis sûr que je le mets. Ah, puis là, j'aurais dû tirer plus fort. J'aurais dû y aller un peu plus fort. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour recoller au score. Oh joli. Oh le but dans les dernières secondes. Joli. Très joli ça. De l'égalisation. Très joli. Comment ça se passe? Est-ce que je peux faire des buts en or ou je sais pas quoi à la fin? Très joli ça. Martine. Cette séquence peut s'avérer déterminante si elle est menée jusqu'à son terme. Ah, c'est punaise. Peut-être le chaos. Dommage. Ouais, c'est un pressing efficace. L'action se poursuit. Allez, il faut la tenter. Voilà. Goal. Allez. Ouais, le jeu est validé sur Switch. Ouais. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour le jeu est validé. Un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tout y est. Quand le temps compte entre les minutes, le talon a choisi son. Non, mais par contre, c'est abusé. Ah, c'est bien parti. Et oui, c'est dedans. C'est et un délire. Son troisième but dans ce match. Quelle performance. C'est pas le même mec du tout entre les différentes actions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas le même gars. Et quel match légendaire. Le score est maintenant de 5 buts partout. On pouvait pas rêver mieux.
C'est pas possible. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Je te jure. Il y a des actions, je me dis, c'est pas lui. Là, par exemple, je sais que ça va pas être lui. Le moment aussi, il faut aller chercher le but décisif. Ah non, dommage, pas assez d'application sur ce centre. Ah bah écoute, match nul. C'était un match très bizarre. J'ai l'impression d'avoir joué contre deux joueurs différents. C'est très bizarre. Hein. Allez. Bon, c'est pas grave, on n'a pas perdu. Mais c'était très 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 étrange. Genre vraiment, première fois que ça me fait ça sur un jeu comme ça. J'avais l'impression que des fois c'est pas le même mec qui avait la manette. Bon, allez. Bon, ça c'est fait, on va tester le mode Volta à ce moment-là maintenant. Vu qu'on a testé le mode normal et le mode Ultimate Team. Et je vais me noter également à ce moment-là de la vidéo pour qu'on puisse s'avérer retrouver. Donc. Quitter le mode Ultimate Team, oui. Et je veux aller tester le mode Volta. Allez hop. Donc, on va passer sur le mode Volta. Et on va tester tout ça. On va allumer ça. Créer votre avatar. Oui. C'est vrai qu'on peut créer son avatar, c'est vrai. Bah écoute, je vais prendre lui. Surnom. On va l'appeler... attends, surnom. On va l'appeler EMB, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Voilà, nom d'équipe. Athéna. Hop. Athéna FC sera très bien. Je crois que je l'ai appelé comme ça aussi sur la version PS5. Choix d'un écusson. Qu'est-ce qu'on a en écusson? Allez, remettre ça. Nickel. Bam, continuez. Allez, ça c'est bon. Alors, point de compétence à mettre, oui. Gagner plus de duels. Cadrer plus souvent votre tir à bout portant. Reprenez pas plus de puissance et de précision. C'est quoi, je mets tout ça en point de compétence. Voilà, allez hop. Ça c'est les petits points de compétence si jamais... boulette canon, je reprends boulette canon parce que pour moi c'est la meilleure compétence du truc. Genre vraiment tu peux tirer de n'importe où sur le terrain quand c'est actif. Et c'est vraiment un truc de fifou. Donc, jouer à équipe Volta, oui. Ok, voyons voir. Recherche de partenaire. Ah mais du coup là je joue avec d'autres joueurs, c'est pas ça que j'avais fait la dernière fois. C'est pas ça que j'avais fait la dernière fois. Attends, non c'est pas ça que je voudrais faire. Attends. Objectif personnalisé, boutique Volta, objectif atteint. Si c'est ça, non, changer de mode. Voilà, changer de mode, arcade, voilà, une personne contre l'IA, clash. Ça c'est bien, c'est ça qu'on va faire. Jouer à clash Volta, oui. Comme ça au moins on va jouer contre l'IA. Gagner des points clash, débloquer des paliers, gagner des récompenses, absolument. Ça, ça fait du bien de retrouver une version Switch où il y a tout en fait dedans, s'il te plaît. On va se mettre en semi-pro pour l'instant. Pour tester et incarner l'avatar, contrôler l'équipe. Incarner l'avatar c'est bien mais tu joues que un personnage sur les trois donc c'est un peu étrange. Allez. Alors évidemment vous avez des musiques hein, sur les menus, si là vous entendez qu'il n'y en a pas c'est normal, c'est parce que je les ai enlevées pour des questions de droits d'auteur, parce que les musiques sont des musiques qui sont pas libres de droit et donc en général du coup vous avez des vous avez que des musiques qui sont comme ça. Allez. Attends, où sont mes joueurs? Ah oui, là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il marque pas? Alors qu'il y a... Bah quand même, oui. Quand même. Par contre, je l'ai mis en anglais, peut-être que... Ok. Boum. Ça, c'est pratique, ce truc.
Là, c'est la compétence qui est ouf. Hein. Merci. Ah! Punaise, ah, attends. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, fais la passe. Merci. Ah, j'avais pas activé mon truc. Écoute, ton 30 FPS, moi je trouve qu'il passe très bien. Hein. Honnêtement. Hein. Ça peut être du 30 FPS, honnêtement. Pas de soucis là-dessus. Hein. Allez, boum. Allez. J'arriverai pas à lui choper. Hein. J'arriverai pas à lui choper. Ok, c'est bon. Boum. Il est rentré, on est d'accord. Ouais, il est fluide. Hein. Parce que je te dis, le 30 FPS, là... Allez, vas-y. Allez, hein. Boom. Non ! Sérieux ? Hop là ! Gars, qu'est-ce que tu fais? Allez, mais qu'est-ce que tu fais? Bah évidemment. Évidemment. Allez. C'est pas fini. Si c'est fini. Ah si c'est fini. Bon. Bah écoutez, ça tourne super bien. Je n'ai rien à dire. En vrai, ça tourne super bien. Je suis très content de cette version Switch, vraiment il faut le dire, hein. Il faut le dire, la version Switch est vraiment nickel, et on va faire quand même une petite conclusion histoire de terminer, mais honnêtement non, vraiment cette version est vraiment chouette, Live FC, Volta Football, Ultimate Team, carrière de manager si jamais vous avez envie, carrière de joueur, club, coup d'envoi, il y a vraiment tout, les compétitions, les saisons coop, les amicaux en ligne, il y a tout sauf du coup le mode, enfin il y a tout sauf les, qu'on s'appelle l'hypermotion qu'on retrouve pas dans le jeu, et évidemment bah du coup des graphismes un petit peu en dessous évidemment, et le fait que ça soit 30 FPS, mais au-delà de ça, si vous pouvez faire ces concessions et que vous avez que la Nintendo Switch par exemple, ou que vous avez envie d'emmener votre jeu de foot partout, bah pff, la version est vraiment chouette et je suis très agréablement surpris. Donc pour moi c'est un grand oui, ça fait du bien de justement de plus avoir l'arnaque des précédentes années sur les FIFA. Donc est-ce que c'est de l'arnaque? Non, ce n'est pas de l'arnaque cette année et ça fait plutôt du bien. Donc merci à EA d'avoir enfin fait une version approximativement la même chose. Et moi, je l'ai acheté à la Fnac, perso, et je vous ai dit, quand vous l'achetez à la Fnac, comme moi, il y a un bouquin qui est offert avec, je sais pas trop, c'est des bouquins de, je sais pas, de conseils, d'apprentissage de jeux de foot, ou je sais pas quoi. Pff, voilà. Mais honnêtement, non, nickel, il y a des petites pertes de FPS de temps en temps, on l'a vu une fois, là, sur quasiment une heure de jeu, donc, ouais, enfin, c'est pas de l'arnaque, et ça fait du bien.